Moi, j'ai pas deviné dans les premières secondes que c'était un séisme. Parce que j'en avais jamais eu l'expérience et je me suis redressé. J'étais là sur mon fauteuil, j'étais en train d'écrire un message et je sens une sensation bizarre au niveau des pieds. Donc je me redresse et au moment où je me redresse, je tiens quasiment pas sur mes pieds. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à aucun moment j'ai pensé à un séisme et tout d'un coup, je commence à voir des trucs qui se cassent la figure, des livres qui tombent, des faux plafonds qui se cassent la figure, etc. Et c'est seulement quand les objets commencent à tomber que je me dis, mais c'est un séisme. Mais avant, j'avais pas réalisé parce que j'avais associé, on a tous des associations, pour moi, séisme, c'est des trucs qui s'effondrent. Mais cette espèce de truc mouvant. Donc là, nous sommes à l'intérieur de l'ambassade, et j'ai été frappé par cet escalier et ces murs. Il y avait quasiment plus de crépi, c'était le. Mais elle a tenu. L'ambassade a tenu, elle a été secouée comme une. Elle s'est vidée comme une petite noix, mais elle a tenu. Et c'est vrai, alors voilà, donc, la résidence. Moi, j'étais resté, quand j'avais fait un reportage sur le président de la France, 2 mois avant, à Haïti. J'avais logé dans cette résidence. Et quand je suis revenu à la résidence, voyant comme ça écrouler, sur le moment, j'ai pas compris. C'était tellement énorme, c'était vraiment un choc. Parce que, tu vois, ça, c'est typiquement le genre d'image que. Moi, j'ai pas vu parce que cette espèce. Enfin, j'y étais présent, mais quand je le vois la nuit comme ça, c'était un camp de tente, mais j'avais pas l'impression que ça grouillait autant, que les gens étaient si près les uns des autres. C'est vrai que l'ambiance était absolument incroyable, parce qu'il y avait en même temps les journalistes qui étaient là, en tout cas les Français, les secours, et tout ça autour d'une piscine. Et cette piscine était restée complètement en état. Et je me souviens, moi, le soir, on prenait de l'eau dans la piscine avec notre gobelet pour se laver les dents. Hein. Alors voilà, ça c'est une photo intéressante, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des diplomates sur un matelas, dans l'herbe. Sauf cette photo montre un peu le côté extraordinaire. J'imagine que la veille au soir, ils ne pensaient pas qu'elle allait se retrouver là. Alors ça, c'était donc dans la ville. Et j'avais pris cette image, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était ces Haïtiens qui avaient pratiquement aucun moyen. Alors, ils essayaient de trouver des gens, ils étaient sur le toit d'une maison, sur une terrasse, ils avaient juste une corde. Oui. Ça, c'était un peu. Il n'y avait vraiment rien. C'était le deuxième jour, cette photo était prise. De la même façon, je ne sais pas si tu t'en souviens, chaque citoyen qui avait des victimes dans sa famille, ses proches, etc., déposait les corps au milieu des routes et le soir, il y avait des camions qui passaient, des camions d'une entreprise là pour le coup nationale, et ils mettaient un drap blanc sur les corps, ce qui était quand même dingue, oui. Alors qu'il n'y avait rien. Ils avaient réussi quand même à la fois à faire ce qu'il fallait faire pour que progressivement les corps soient évacués. Il y en avait des centaines, des milliers qui étaient sous les décombres, mais au moins ça. Et c'est vrai qu'avec des moyens dérisoires, ça a donné le sentiment que malgré tout, il y avait une espèce d'organisation spontanée. La première fois de ma vie où j'ai vu des secouristes pleurer. Ouais, alors c'était le Montana, ça a été l'hôtel cosmopolite international d'Haïti où tous les expatriés venaient se retrouver. Voilà. On voit le toit de l'hôtel et il marquait quand les secouristes entendaient des bruits, ils mettaient des petites croix sur le béton et ils mettaient survivants, et là on voit bien sur la photo qu'il y a des Français, des Américains et des Haïtiens dessous. Ça pour moi ça a été un des moments les plus durs. Je me souviens, ce sauveteur, sur cette image, on voit la lampe torche, là, et puis tout c'est l'amoncellement de béton au-dessus. Alors là, donc ça c'est un avion qui s'apprêtait à décoller pour la Guadeloupe ou la Martinique. C'était terrible, hein, c'était un transal qui était rempli de civières, en fait. Là, ce qu'on a mis là, c'était bon, d'abord ceux qui pouvaient être transportés, qui étaient à peu près stabilisés, mais je me souviens des pathologies, ça c'est des pathologies de guerre, c'est des gamins qui ont été amputés et qu'il faut absolument traiter pour qu'ensuite, un jour, ils aient la chance éventuellement de pouvoir être à Paris. Donc là, cette photo-là, j'avais prise à l'aéroport, au moment d'attente des avions, et, ouais, on sentait un déchirement de quitter le pays, hein, ces enfants.